Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour. C'est bon, c'est tout dans le vert. Pop, pop, pop. Bonjour tout le monde, on est samedi après-midi, donc le samedi après-midi à 14h, première partie de live, on fait du Kerbal Space Program. Et puis après le goûter, on passe sur du Minecraft. A priori, sur Holicube, hein, j'ai le vaisseau terminé. Ouais, a priori, sur du Holicube. Parce que je suis toujours pas mort hein, sur Covicube. Mais on verra un peu plus tard. Salut Dr. P, salut Bis, salut Nabra01, salut Mika. Bienvenue à vous. Bon, allez, c'est parti. Donc, rappel du contexte. Alors, je débute hein, Kerbal, full débutant. J'ai réussi à envoyer un astronaute en orbite autour de la lune de Kerbin, la terre des Kerbal, des petites bestioles vertes, et mais c'est pas des creepers. Quand ils se pètent, c'est tout doux. Et mais elle n'a plus d'électricité, mode. Donc j'ai envoyé une première fusée pour essayer de la sauver, mais elle ne peut pas sortir, elle est bloquée parce qu'il y a des instruments de mesure. Donc j'ai envoyé une deuxième fusée avec un ingénieur pour pouvoir aller bricoler la fusée pour pouvoir sauver mode. Donc on en était là, cette deuxième fusée, on a réussi tant bien que mal à la mettre en orbite autour de la lune. Donc maintenant aujourd'hui, c'est l'heure du rendez-vous. L'heure du retour de mode. Salut Max. Charger sauvegarde. Pop, pop. Bon. J'espère que ça va marcher. Station de contrôle. Allo Houston. Donc, on a mode. Dans Ira pas loin 19. 19e mission. Orbite orbite de brin, faut dire ce qui est. Et à sa rescousse, ira pas loin 25. Donc 6 missions quand même. 20. Oui, 6 missions pour. allez, on va aller voir mode. Comment vas-tu, mode? Voilà, elle est là. Sa fusée est là. Malheureusement, charge électrique zéro. Il n'y a plus d'électricité, donc on ne peut plus la manœuvrer. Oh, il y a Kerbin qui est là. Donc mode est là, elle est en forme, tout va bien. Et elle ne peut pas sortir. AEV, impossible de sortir, toutes les écoutilles sont obstruées. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi à rentrer, mais elle ne peut pas sortir. Et en effet, on voit que ah, là, on voit pas parce que c'est pas du bon côté. Mais bon, il y a un... Ah si, c'est là. Bah, il y a un andouille qui a été mettre la glérine. Et puis là... ça doit être le baromètre sur la porte, en fait. Donc la porte ne peut pas s'ouvrir. Cette personne a été renvoyée hein, de du centre spatial. Il faut quand même pas... Hein. Il faut quand même pas... Hein. Alors si j'appuie sur la touche... Aucun objet à proximité sur lequel se centrer. Utilisez l'écran carte pour choisir un objet distant. Oh. Changer. Donc là, on est dans Ira pas loin 25, qui a pour cible Ira pas loin 19. Donc voilà la lune, la Kerbin. On est un peu plus loin. Donc il y a pilote Valentina. Et il y a un petit y a un module pour se balader où il y a Margot l'ingénieur. Alors là on a bien fait gaffe, l'écoutille c'est nickel, l'écoutille elle est bien elle est libre. Donc ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir. Première étape. Il faut déjà. Ouais, notre nœud est pas terrible, terrible. On va se mettre pile à zéro. Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'attende d'être sur le nœud. Et le nœud, il est loin, il est là. Et on y est dans 4 heures. Oh là 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 là
Ou alors est-ce que j'essaye déjà de tripatouiller là? Ce que déjà je vais faire, c'est tripatouiller mon réacteur. Alors on va limiter la poussée à 10%. Parce que je suis pas encore équipé de RCS là, les petits machins qu'on voit des gaz pour bouger finement le vaisseau. Donc voilà. Est-ce qu'on fait une petite manœuvre déjà pour rapprocher nos deux orbites, sachant que le nœud, c'est-à-dire l'intersection entre les deux plans des deux orbites, la jaune et la bleue, il est ici. Nœud ascendant, nœud descendant. Là, je suis sur le nœud descendant, donc je passe légèrement, mais c'est léger, hein, je passe légèrement en dessous. 0,1 degré. J'avais dû essayer de le régler le dernier coup, mais. Ça coïncide plus ou moins ici. Et puis après, on va les faire tourner. Nous, on est à l'extérieur, donc on va moins vite. On va moins vite que Maud, qui est là, donc qui est devant nous. Donc elle va s'éloigner petit à petit. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle nous rattrape par derrière. Enfin, nous rattrape par derrière. Oui, elle nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle va s'éloigner, 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 s'éloigner. Quand elle sera de l'autre côté, elle va se rapprocher, 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 rapprocher. Salut bonbon miel. Je crois qu'il faut pas que tu mettes trop de points dans tes messages, sinon ça fait ploup. Donc là, j'utilise du 3,2 mètres seconde. Et ça va être pas trop mal. On va tenter ça, nœud dans 5 minutes. Nœud de manœuvre dans 5 minutes. On va se positionner. Hop. Ah, il faudrait ma. Je vais quand même le faire à la manette. Ça va être plus. On va essayer de faire ça correctement, mais bon. Allez. C'est une durée de combustion de 2 secondes. Ah ouais, vous le voyez pas du coup le. Ah, faudrait que je me mette plus comme ça. Voilà. Le nœud est dans 52 secondes. Dans 50 secondes. La durée de combustion 2 secondes. Je suis bien dans le sens de la manœuvre. Donc en fait, je suis en rétrograde. Puisque là j'avais essayé de me freiner. Dans 26 secondes. En fait je balance le top à moins 1. Enfin le top, la purée. Balançons la purée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Oh, pile. Pile, 0-0. Hop. Donc là, on a une intersection qui est avec une séparation de 382 km, mais normalement, au bout d'un certain nombre d'orbitations, donc on va passer le temps rapidement, elle devrait. Il faudrait que je vérifie, on a toujours un nœud à 0,1. On va essayer de viser le zéro. On accélère 10 fois. Salut Jewan.
Le nœud, il est à... Pop, pop, pop. Dans 3 h 58 minutes. Viser le zéro, tu parles que c'est difficile. C'est le plus dur. C'est comme le centre de la cible aux fléchettes. Bon, on va accélérer un peu plus. 50 fois. Donc là, logiquement, elle s'éloigne de nous. Voilà, distance 546, 547, 548. Donc, elle se sauve. Mais c'est pas grave parce qu'elle va nous rattraper après de l'autre côté. Moi, ici, je vais juste. Donc, gérer les petits machins de traviole. Pour dire de ramener le nœud à zéro. Oups, on va basculer. Nœud à zéro. C'est du 0,2 mètres seconde. Va être super chaud à faire, ça. Est-ce que je limiterai pas encore plus ma poussée? Ah non, on peut pas. Oh oh. Je peux plus toucher. Pourquoi? Ah, parce que je suis en accéléré, peut-être. Ah ouais, c'était ça. On va le mettre à 2. Voire à 1. Comme ça, j'ai une durée de combustion d'une seconde. Ça sera plus facile à maîtriser. Salut Renaud. Tu fais fuir mode, on cherche pas à la sauver. Oui, mais elle va revenir après. C'est compliqué. C'est pas simple. Attends, je vais me bouger. Je vais plutôt me mettre là. Voilà, comme ça, je suis au-dessus. Je suis le chef, moi. Je suis le chef de Valentina et de Margot. Donc on accélère, pop pop. Sinon il y en a pour 3 heures. Hop, 50 fois. Cent fois. Oh. Stagiaire plutôt que le chef. Stagiaire en chef. Bon, on va faire une autre méthode. C'est, on va dire ici qu'on veut avancer à ce point-là. Blablabla. Comme ça, on fait une avancée à 1000 fois. Donc, au passage, distance, elle est à 420, 458 km maintenant. On a le nœud dans 56 secondes. Pop, pop, pop. On se met en mode manœuvre. Donc, on va vers. Ça s'appelle comment le normal? Antinormal. C'est du violet. Donc c'est une toute petite poussée. Toute, 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 toute petite poussée. Antinormal, c'est toi, Jewen. Attention, 17, 16, 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, on a le nœud à zéro. C'est parfait. Jusque-là, ça va comme sur des roulettes. Jusque-là, c'est parfait. Par contre, du coup, notre fusée, elle est bouh. Allez, on va la remettre dans le bon sens parce que là, voilà. Donc, Maud, elle est quelque part devant, par ici. Ouais, à 466 km. Donc il va falloir faire un certain nombre de tours pour qu'elle vienne nous rattraper.
a une orbite qui est de une journée. Oups. Une journée, une heure. Mais c'est une journée, ça dure 6 heures, je crois. Parce qu'en fait, l'autre nœud, le périastre, on l'atteint en 2h42. Notre apôt, on l'atteint, ah oui, en une journée. La poisse de l'autre, 4 heures. Une journée doit faire 6 heures, un truc comme ça. Bon, c'est déjà pas mal hein, pour quelqu'un qui attend. Donc, on va accélérer. Allez, 1000 fois. Ah non, on a 50 fois. Bon, 100 fois. Alors, on a l'impression qu'on va vers Kerbin, mais alors c'est qu'une impression en fait, parce qu'on tourne autour de ce truc là. Donc bientôt là on a l'impression qu'on va sur Kerbin et puis après on va repartir. Puisqu'on est là, on est du côté. Et là les perspectives elles sont quand même troublantes. Hein. Ouais, on retourne chez nous, on retourne chez nous, on retourne chez nous. Que pouic. Tu ne retourneras pas chez toi, petit scarabée. Tu dois d'abord ramener Maud. Mais c'est fou, on dirait vraiment que on est en train de se barrer de la Lune et on va vers Kerbin. Mais en fait, non. Voilà. Non. Bon, elle a déjà pris de l'avance. Hein. Maintenant, elle a une distance de 1500 km. Oh là 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 là. La petite friponne. Donc à un moment donné, quand on va être assez proche, il va falloir que je resserre mon orbite bleue sur l'orbite jaune. Mais on voit qu'il faut qu'elle bascule de l'autre côté. Choupette. Là pour l'instant, on est encore du même côté. En temps réel, il y en a pour quelques heures. Hein. Je pense qu'on est arrivé dans le plus mauvais cas de figure. Quand on est arrivé, en fait, elle était juste devant. Il aurait fallu qu'on serait arrivé un peu plus tôt, on serait arrivé juste devant elle. Ça aurait été bon, elle nous aurait rattrapé. Or, on n'a pas réussi à la rattraper tout de suite, donc il faut qu'elle fasse le tour complet. Elle te fuit, mais c'est normal pour le coup depuis le temps que tu l'as abandonnée dans l'espace. Bah oui, mais c'est ses copines qui viennent la chercher là. Encore, Sean. Je comprends qu'elle en ait peur, hein. Mais bon. Salut Yaïdia. Bah pour l'instant, ça se passe impec. On est toujours vivants. On va peut-être accélérer un peu, 1000 fois. Piu, ça va vite. Salut Calypso. Oho. Alors, on va peut-être commencer à réfléchir. Ouais, parce qu'en fait, moi, le mieux. Pour que je réduise mon orbite bleue, c'est que je le fasse à la poastre. C'est-à-dire que quand je serai avec une orbite quasiment... J'aurais peut-être pas dû... C'était peut-être pas forcément une bonne idée de les rapprocher tout de suite. Du coup, il y a une petite affiche pour nos amis carbaliens. J'ai utilisé l'affiche... L'affiche du stagiaire. Alors j'ai pris celle-là, je crois. L'expérience n'a pas d'âge. Je trouve que j'ai trop... Eh,
J'ai quand même super la classe en costard. Je devrais porter plus souvent le costard. Des fois, G1, il me fait des affiches. Mais là, il m'a gâté. Le pire, c'est que le costard avec cravate. Cravate, je l'ai mis une fois. Alors, quand on va être là, je pense qu'elle va être là. Il faut encore un tour. Cravate, je l'ai mis une fois, mais j'étais pas en costard. Je devais être en blouson normal. Et costard, j'ai dû mettre un costard pour me marier. Enfin, une veste propre. C'est-à-dire pas fripé, sans tache et tout ça, quoi. Mais j'avais pas de cravate. Je crois bien que j'avais pas de cravate. Donc, le costard cravate, je crois que j'en ai jamais mis. C'est Madame Z qui serait fière. Ouais, elle m'aime comme je suis. C'est là. Ce qu'elle voit, c'est la beauté intérieure. Oui, parce que là, si on rapproche tout de suite, on est trop éloigné. On a encore une distance de 1500 km. On est trop éloigné. Donc, on va faire encore un tour. Faut espérer c'est qu'elle aille pas trop vite. Bon, à la peau, elle ralentit. Périastre, on accélère tous les deux. Puisqu'on se rapproche. Le périastre, c'est là où on est le plus près. C'est l'orbite là où on est le plus près de l'astre qui nous attire. Donc, on accélère pour aller de l'apoastre au périastre. Moi, par exemple, j'ai une vitesse de 800. Et elle, là, par exemple, elle a une vitesse de 160. Donc j'ai beaucoup 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 plus vite, 8 fois plus vite. Mais bon, après elle va accélérer et là elle sera plus vite que moi. Mais moi je serai déjà passé. J'espère bien que tu blagues, Yaetio. Voilà, je suis au périastre. Donc je suis à la vitesse max 325. Bon, elle est déjà à 260. Je pense que ça va le faire quand on va être là. On va doucettement, on va repasser en mode avance rapide 1. Salut Ata, j'arrive. Et on va doucettement se positionner ici et faire une petite manœuvre. Je vais réduire. Hop. Ah. Nous avons une séparation intéressante là. De 8 km. 6 km. 5 km 8. 3 km 3. 3 km. 1 km 7. 1 km 4. 1 km 2. 1 km. On peut encore réduire. 0,3 km. 300 mètres. Oh, ben on arrête là. Ah oui, mais attends. Si je fais ma manœuvre là, ça va être au prochain tour. Comment ça marche? Ah. Je devais pas me recoiffer un peu. Si, mais je le ferai demain. Faut que je passe à la tondeuse en fait. C'est compliqué. Faut que je trouve la tondeuse, faut que je la branche. Puis je peux pas faire le. J'arrive pas à faire l'arrière. Donc il faut que. Bah faut qu'on fasse un rendez-vous avec ma coiffeuse. J'ai pas d'image perdue. Oui.
Oui, alors il y a un truc là. Ça, c'est dans le futur. Là, l'intersection, elle est où? Séparation 39,8 sur l'intersection 2. Ce que j'ai envie de faire, c'est pas. Je trouve ça pas hyper, hyper pratique. Hein. Le centrage. Pop, pop. Si je faisais ma manœuvre un peu avant. Style ici. Non mais non, parce que ça va pas le faire. Bon, j'ai tout pété le truc. J'ai tout pété le truc, c'était tout bien, voilà, j'ai tout pété. Hop. C'est quoi la différence entre intersection 2 et intersection 1? Le truc orange et le truc rose. Parce que là, au niveau intersection 2, je suis pas mal, mais je suis après, quoi. Là j'ai quand même une poussée de 13. Alors, il faut que je remette mes. On va se remettre à 10%. Histoire que ça dure pas 8 âmes éternam. Hop. Durée de combustion 9 secondes. Ce qui est bien avec Kerbal, c'est que c'est très reposant. Très reposant. C'est reposant, très reposant, trop reposant. Moi, j'aime bien cette dilatation du temps. Alors, j'irai pas pousser le vice jusqu'à pas utiliser le temps accéléré. Mais, parce que vous avez vu, l'orbite se fait en 6 heures. Mais, les gars qui sont réellement dans l'espace, en fait, tu t'aperçois que quand ils font ces genres de trucs, ils sont tout le temps en train de poireauter, quoi. Je vous rappelle que Z est entraîné toute la semaine. J'ai fait deux entraînements. J'ai fait deux entraînements. Bon, elle est là. On est là. On va avancer jusqu'ici. Voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle nous rattrape? Oui, 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 oui. Revla mode. Regardez, elle est là. Mais elle est encore à 528 km. Alors le problème, c'est que... Ah oui, parce que je la... En fait, j'affine. Je règle. Je vais réduire mon orbite pour qu'au prochain tour, on soit tout proche. Tout doucement. Hop. Voilà. C'est ça le truc. Donc on va essayer de viser... La perfectionne les 300 mètres comme tout à l'heure et séparation 0-0. Vous le voyez pas? Regardez bien. Regardez bien ce qui est écrit là. Oh, ça veut plus s'afficher. Pourquoi tu veux plus t'afficher? Ah voilà. Séparation 0-0 km. Votez Z. Hop. Est-ce que je suis bien par rapport à mes petits personnages? Ouais, c'est bon. Après, je peux descendre plus, hein. Hop. Je peux descendre plus sur les sous-stagiaires. Moi, je suis stagiaire chef. Ça, c'est des sous-stagiaires. Mais bon, on va pas faire de... Hein. On va pas profiter de la situation. 528 km, un saut de puce dans l'espace. Ouais. Alors, il y a Ideal, la survie d'hier soir. Bah, cool. Cool. Je suis pas mort. Je suis... full diams. Par contre, je sais pas quand est-ce que je vais y retourner. Parce que j'ai quand même pas mal de boulot à faire sur Rulicube. Je voudrais pas me disperser. Mais on en reparlera tout à l'heure pendant Rulicube peut-être. J'ai un petit projet, mais je voudrais être sûr que... Parce que vous avez appris que Roi Louis était mort hier.
Mais comme il avait le droit à un traitement spécial parce qu'il est roi et tout, s'il le repêche, bon, ça se fait pas. S'il le repêche pas, ils avaient prévu de faire un espèce de faire des petites tombes. Moi, je fais carrément un monument un mausolée à Roi Louis. Donc, faut voir. Bon, sinon, il y a Vartak. Je fais un mausolée à Vartak. On en est où? Le nœud dans 54 minutes. Bah on va au nœud, hein. Ce qu'il faut super faire gaffe, c'est toujours rester concentré sur ces jeux-là. Le nœud, il est dans une minute. C'est de ne pas oublier de se mettre en mode manœuvre. Donc là, ça va être du rétrograde, à mon avis. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on réduit notre circuit, le bleu. On va réduire au petit pointillé, là. Donc pour... Parce que là, elle nous rattrapait fort. Là, elle a encore à nous rattraper. Il y a distance 420 km. Mais je réduis ici pour que le prochain coup, ici, on soit pile à 0-0. Donc j'ai 13 mètres secondes d'ergol liquide à cramer. Ça va être une combustion de 9 secondes. Donc je vais démarrer à moins 5. On est à 20. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. On voit le bleu qui se rétracte. Et on a une séparation de 4,2. Ah, entre la précision du truc et... Alors on pourrait éventuellement... Est-ce qu'il faut... 3,7? Ah, zut. Ça va super vite, hein. Bon, on est à 400 mètres. On va tous mourir. Mais non. Il nous reste encore plein d'ergols. Il nous reste 615 mètres par seconde de delta V. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que le delta V, Wikipédia à votre ami. C'est une différence de vitesse. Et dans l'espace, on mesure en fait notre autonomie par une différence de vitesse et non pas par une quantité de carburant ou tout ça. C'est étrange. C'est vraiment étrange. C'est spatial. Bon. On va avancer rapidement. On va avancer, on va faire un tour, donc on est parti pour 5h46 minutes. Normalement, pendant ce tour, elle devrait nous rattraper. Voilà, Périastre, elle accélère, elle va plus vite que nous. Hop. Elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Ouh, elle est en train de nous passer devant là. Oh bobette! Donc elle a une distance de 37 km qui est en train de se réduire. Parce qu'elle a une vitesse de 183 et nous on a une vitesse de 192. On va plus vite qu'elle. Salut Christo. Ah oui, prédiction. Comment c'est une prédiction? Comment c'est la prédiction? Rendez-vous. Réussi. Qu'est-ce qu'on dit? Moins de 100 mètres? Allez, moins de 200 mètres. On va se laisser une marge quand même. Donc, réponse bleue 1, oui. Réponse rose, non. Je vous laisse 5 minutes. Hop!
Salut Roger. Donc faut pas que j'aille trop vite parce que... Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre 5 minutes. Parce que là, faut que j'attende 5 minutes. Mais bon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on est contemplatif. Le vaisseau est là-bas à 35 km. On y arrive dans 35 minutes. Il faut que je me souvienne comment on fait. On est quand même... Au niveau orbite, on est pas mal. Quand j'ai fait des essais, c'était quand même plus YOLO que ça. Donc c'est relativement simple dans la théorie. Il faut que je me mette en rétrograde pour freiner. Attends. Elle a une vitesse de 181. J'ai une vitesse de 190. Oui, je vais plus vite qu'elle. Donc il faut que je freine. Ah oui, il faut que je clique là. Surface. Cible. On a une différence de 16 mètres seconde. Donc la vitesse, là, c'est notre vitesse référentielle. Donc je vais plus vite qu'elle. Je suis à 190, elle est à 180. Je vais vu plus vite qu'elle de 16 mètres seconde. Donc il faut que je freine. Donc il faudra que je me mette en rétrograde. Je crois en toi, Z. Merci. Il y en a plein qui ont dit non, hein. Vous êtes méchants. Vous êtes tous méchants. Je peux pas voter, moi. Les streamers et les modérateurs ne peuvent pas faire de prédictions. C'est une honte. C'est une honte. Pourquoi je pourrais pas faire de prédictions, moi? Donc j'accélérerai quand la prédiction sera finie, hein, quand vous aurez tous voté, parce que là sinon vous allez voir le résultat, vous allez dire, oh, il était trop fort, il était trop fort. Non mais en fait c'est simple. Donc je freine. Pour freiner il faut que je me mette en rétrograde et que j'accélère. C'est comme quand tu veux couper Windows, tu dis, tu cliques sur démarrer. Pop, 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 pop. Bon on est plus très très loin. Est à 32 km. Maud! Maud! Et on n'a jamais été aussi proche parce qu'avec Sean, on n'a même pas tenté un rendez-vous avec Sean en fait. On s'est aperçu qu'on pouvait, ça pouvait pas marcher, on est reparti. Oui, parce qu'en fait, je voulais faire une AEV à Maud pour qu'elle récupère un max d'expérience. Et ça n'a pas marché, donc on savait que ça marcherait pas, quoi. Lamune, Maud, Kerbin, Kerbol. Papa ours, maman ours, bébé ours. Il reste 30 secondes pour la prédiction. Ceux qui ont voté non seront bannis. En plaisanterie, plaisanterie. En même temps, faut du temps pour fermer Windows. Ah oui, tu veux dire que tu démarres la fermeture. Ah ouais. Ouais, vu comme ça, c'est vrai que vu comme ça, ça le fait. Bon, ça y est, la prédiction est finie. Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
Même si c'est pas un jeu, c'est la vie de Maud qui est en jeu. Alors la difficulté du truc, c'est de savoir à partir de combien on freine. Parce que si je freine trop tôt, on la rattrapera pas, je serai obligé de réaccélérer. Si je freine trop tard, on va la dépasser, je serai obligé après de retourner en arrière. Sachant que tout changement de. Dès que je mets des gaz, je change mon orbite. C'est chaud patate. C'est hyper chaud patate. Bon, je suis toujours à zéro en E. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, j'ai fait que des manœuvres propres. Hein. Donc c'est normal. Peut-être qu'on va avancer jusque-là. On avance de 12 minutes dans le temps. Projetons-nous. La distance se réduit, on est déjà à 14 km. Oh oh! Elle a jamais été aussi proche de nous, Maud. Maud, reviens! J'ai les mêmes à la maison! Alors après, ça va être compliqué. Ah, j'aurais peut-être dû le préparer. Il me reste combien de temps avant le truc? 14 minutes. Bon, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pas que je perturbe le vaisseau. Parce que le problème, c'est Margot qui doit y aller. Or, Valentina est la pilote. Elle est ici. Margot, elle est là. Ah ben si, je peux transférer. Ouais, mais il faut que j'atte. Oui. Non, ça va marcher. Je vais transférer Valentina dans la capsule à deux places. Et puis Margot, elle reprendra sa place pour pouvoir sortir. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'écoutille sur le module passager. Donc je crois que c'est un truc comme ça. Et merci le Titan, salut à toi. Merci pour le suivi. Donc ça, je le ferai quand on sera. Quand on aura réussi notre rendez-vous. Il n'y a pas de raison qu'on ne le réussisse pas. Toutes les conditions sont optimales. Optimales. Bon, mon nœud de manœuvre. Mon lieu de rendez-vous est pas à la Poastre, mais ça devrait le faire. On y est dans combien de temps? 13 minutes. On va peut-être avancer encore un petit peu. Plop, 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 plop. Voilà. On est à une distance de 9 km. Oh oh. Jamais été aussi proche. Merci Tramadoleg. Ça ressemble plus à des incantations qu'à de l'entraînement, tout ça, dit Jewen. Oh ben, c'est un peu ça, hein. Moi, j'utilise la technique Shaddock pour l'espace. Pour ceux qui ont vu les Shaddock sont obligés de quitter leur planète parce qu'elle est instable et ils veulent aller s'installer sur la planète Terre. Donc il y a des ils commencent à bosser, à étudier l'espace et tout. Ils ont une philosophie assez spéciale, les Shaddock. C'est plus ça rate, plus ça a des chances de marcher. En fait, c'est ils calculent qu'ils ont une chance sur 1 million. De réussir à faire décoller une fusée. Donc il se dépêche de louper les 999 999 premiers essais pour que ça marche. Voilà, c'est le principe Shaddock. Et c'est imparable. Bon, il faut après les moyens d'avoir 999 999 fusées à péter, mais bon, on est à 7. Notre nœud est dans 8 minutes. Je pense qu'il faut que je freine au dernier moment. J'ai mon truc à combien? 10 de poussée. On va le garder à 10. On va le garder à 10. Salut Dudule. Depuis le temps qu'elle tourne, la pauvre mode, il faut réussir la mission. Alors je crois qu'elle tourne depuis. Au début du jeu, c'était 7 jours. Donc là, il s'est passé quelques journées, hein, puisqu'on a fait 2-3 orbites. Donc elle doit être dans l'espace depuis 10 jours. Nous, on est parti depuis 6 jours. Ouais, ça doit être ça. Oui, il y a les gibis, mais ça c'est une autre histoire, Dudule. Les gibis veulent aussi aller sur Terre.
les vilaines bêtes, avec leurs chapeaux melons qui passent leur temps à danser le menuet. Mais sur Terre, qui c'est qu'il y a sur Terre? Il y a Gégen. Ah, c'est trop les Shadok. C'est vraiment trop. Bon, c'est pas tout ça où on en est. On a une distance de 6 km. Ce que je sais pas, la grosse inconnue, c'est quand je dois commencer à freiner. Est-ce que j'attends le dernier moment? On a 16 mètres de différence, je pense que ça va vite se réduire. Donc faut vraiment attendre le dernier moment, je pense. Salut Landry Colo, merci pour le suivi. On a encore 5 minutes. Le temps de se préparer mentalement. Un bon coup de frein à main. Les pneus, ça va drifter. Drifter. Ça va drifter si on met les freins à main. Bon, je suis bien aligné, je suis en rétrograde. On est à 5 km. Vitesse relative 16,7 mètres/s. On n'était pas à 16,4. Taper si c'est l'escarbal, c'est débrouillé. Allô, la télé du boulot. Merci Fredo. T'es trop méchant Fredo. Ils sont verts, c'est comme des creepers, c'est un peu de la même famille. C'est des cousins éloignés à toi. C'est un peu comme si c'était des Canadiens. Non, on va choisir autre chose. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Des Australiens. C'est un peu comme si c'était des Australiens. Oui, en plus, ils sont complètement de l'autre côté de la Terre. Non, on les adore, les Canadiens. Bon, après, on adore aussi les Australiens. On en connaît moins. Distance 4 km. Attention, ça s'approche, il faut pas louper le moment. Si, ils auront plus de chance. S'ils se débrouillent tout seuls, J1, tu vas avoir une croix rouge. Hein. Voilà, la sanction est tombée. 3 km 6. D'un autre côté, combien j'avais dit pour la prédiction? Moins de 200 mètres? Parce que là, on est pile. Il faudrait même voir faire gaffe de ne pas la percuter. Ah non, on est à 400 mètres. Ah zut! Ah, et puis après, ça se réécarte. Ouais, faut pas se louper. Faut pas se louper, les gens. Il faut pas se louper. Je pense que je vais commencer à freiner à. On va donner un petit coup d'essai à 1 km. Voir de combien ça descend les mètres secondes. Et puis, mais je pense que 400 mètres ou ça. Ah donc, c'est 400 mètres le minimum. Ouais, peut-être à 1,4 km alors. Non, c'était 200 mètres la prédiction. J'avais mis en dessous de ce que le truc m'avait dit. Deux kilomètres et demi. Il y a plus de bruit là, c'est hyper dramatique. Il y a plus de musique. Il y a la lune, Maud, la terre, le soleil, la plage, les petits oiseaux. Pop 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 pop, pop 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 pop, pop 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 pop. Valentina, t'es prête? 2 km 1. J'ai dit combien? 1 km 4, hein, pour mettre un petit coup de plop pour tester.
Sachant que ouais, on va être, on est quand même assez ouais. Faut faire gaffe parce qu'après on va se croiser dans l'autre sens. Faut pas que je me loupe là. Faut pas que je me loupe. Ça va être chaud patate. Un kilomètre six. Un kilomètre cinq. Un kilomètre quatre. Ça descend assez vite quand même. Oula, on est passé dans les nombres à quatre chiffres. Donc déjà c'est bon, c'est que la vitesse diminue. Faut laisser quand même un peu de vitesse parce que sinon on va pas se rapprocher à 400 mètres. Ouais, ah, on a éloigné le séparation 3 km. Ah, on s'est rééloigné là. Bah pourtant on est à 900. Il affiche des drôles de trucs le truc. Je pense qu'il faut plus regarder il faut plus regarder l'autre truc. Les chiffres sont pas bons. Je suis en train de penser à mon affiche pour vendredi prochain. J'ai déjà l'idée. Tu peux mettre une croix rouge par anticipation. C'est quand même pas une allusion aux deux pannes d'essence consécutives. Non, mais je vais faire un truc. Je vais me faire un tableau pour la consommation d'essence et tout. Et je vais probablement changer de truc pour passer en autoline. Autoline. Bon, on est à. Alors, on visait les 400 mètres, mais. Ce qui est étrange, c'est que là-bas, il me met une séparation de 3 km. J'aime pas ça du tout. On est toujours en réduction, mais on a une vitesse cible de 2,3. Je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait que je bascule en mode cible, que je me dirige vers ma cible pour accélérer un petit peu le truc. Parce que là, on en est pour des plombes. Et surtout, au niveau de la prédiction, dans 27 minutes, on est à 3 km. Alors peut-être qu'avant... Ouais, 735 mètres. Vaisseau en vue. Ouais. Ouais, elle est là. On la voit. On peut pas zoomer dessus. On zoome sur notre truc, mais on ne zoome pas sur les autres. C'est un zoom assez particulier. Il y a peut-être d'autres vues de caméra, mais j'en ai pas vu d'autres. Donc là, la grande question, c'est à quel moment je bascule? En mode je me dirige vers elle. Est-ce que c'est à 400 mètres comme c'était prévu? Mais le fait de devoir freiner a changé mon orbite. Après on continue de se rapprocher là. Hein. On voit bien les traits qui sont plus du tout péremptoires. Si si, ça va voir. Parce que si je me souviens bien de la théorie, il faut qu'on mette la vitesse relative à 0. Au niveau du rétrograde. On descend à 0. Je bascule le vaisseau en direction de la cible. Et je réaccélère pour avoir une vitesse de rapprochement. Puis quand j'arrive proche, je freine. C'est tout simple. Hein. En théorie, c'est hyper simple. Mais... Je me demande si on joue pas à touche-touche là quand même. Hein. 532. Elle va te dépasser avant de se croiser, non? Peut-être. Mais à 400, je mets à 0 et je me dirige vers elle. Ouais, vous dites ça parce que... Elle est légèrement sur la gauche. Nos orbites sont parallèles convergentes.
Il y a Edgar et Dame de Dole, on va l'idée, donc je suis obligé de la faire maintenant. Bah, j'ai les noms, j'ai déjà trois noms. Ça va bannir sévère. Bon, on va tenter ça à 400 mètres. On coupe. Voire peut-être même moins, parce qu'on continue de se rapprocher. Hein. On est à 400, 407. On est à 400 mètres. Zéro. Zéro, ça veut dire que voilà, elle est bloquée à 378,9. On va à la même vitesse relative. Bon, ça ne va pas. À là-bas, on a toujours une séparation de 400 mètres au bout d'une heure. Ah, ça veut dire que bon, si on fait de l'extra-véhiculaire sur 378 mètres, on peut faire nos échanges. Mais bon, le truc, c'était d'arriver à moins de 200 mètres. Donc là, je me mets en mode cible. Vous avez vu, rien que de bouger comme ça, pop, ça a eu un petit effet. Je mets un petit peu de gaz. On va se mettre à 1 mètre seconde. Pop, et on se rapproche. Et du coup, on a zéro dans 6 minutes. Parallèle et convergente, j'avoue que je vais mettre ça dans notre wiki PZ car il va falloir des explications. Parallèle convergente, c'est clair quoi. C'est différentes péremptoires qui se coupent pas. Bon après c'est pas hyper véloce, 326 mètres, mais bon j'ai peur de mettre trop la pêche et que ça finisse mal. Là on est nickel, hein. Nœud 0, séparation 0, dans 5 minutes et 30 secondes. Dans 5 minutes et 30 secondes, on est touche-touche. Donc là, ça sera tous ceux qui ont voté non, hein. Eh ben, c'est désolé pour vous, hein. Désolé, J1, tu vas perdre des points de chaîne. T'es pas prêt de l'avoir, ta cellule VIP. Je vais construire une prison sur Holy Cube et je vais vendre les cellules. En fait, il y en a, ils les ont gratuites, les cellules. Bon, plus que 80 mètres et j'ai gagné. Là, 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 là. Bon, on va dire qu'il faut quand même une stable. Hein. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Bon, la mune est là. Pop, pop, pop. Mètres. Je pourrais accélérer, mais bon, on est bien là. Et après, on se resépare. Si on n'agit pas, on se resépare. Parce qu'en fait, mais si je manœuvre bien. Parce que les orbites sont pas identiques, pile pile. Mais si je manœuvre bien, après nos orbites, c'est-à-dire quand je vais arriver là, je vais me mettre en anti-cible et je vais freiner. Et en me remettant à zéro, et logiquement, les orbites devraient être quasiment pareilles. Bon, bah 200 mètres. Alors c'est pas gagné. Parce que maintenant, faut stabiliser. J'ai déjà vu le coup, je me suis rapproché, je l'ai quasiment passé à 10 mètres, et puis après, ben, donc ça fait 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Là, tu crois que tu as gagné, tu essayes de stabiliser, et puis il te remet 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et là tu dis, ah, j'ai tout loupé. On va essayer de se rapprocher plus, moins on est loin,
Moins la petite Margot aura du chemin à faire dans l'espace, et puis moins Maud après. Donc Margot, il faut qu'elle fasse dans les deux sens. Il faut qu'elle aille dégager la porte, puis qu'elle revienne. Et puis Maud, il faut qu'elle revienne dans le vaisseau. Et si tu la percutes, on considère que c'est raté, hein. Je vais arrêter à 50 mètres. On vise le 50 mètres. On est à 139. On commence à le voir grossir là. Pop, pop. Valentina elle est à fond là. Ouais. Elle est contente. Sean il a pas réussi, elle a réussi quoi. Elle va pouvoir le. Elle doit être en train de faire un texto. On est à 100 mètres. Combien j'ai dit? 50 mètres? On va se mettre en anti-cible. Donc ça va perturber le bazar. Ouais, ça l'a pas perturbé beaucoup. Et vu le truc, je pense qu'à 50 mètres, je commence à freiner et puis ça va le faire. Et là, c'est pas Maud qui met Alien qui sort. La pauvrette. Arrête, je vais refaire des cauchemars. 60 mètres. 55 mètres. On freine. Ah, 0,2. Zut. On se réécarte. C'est là où c'est... Oula, rien que de... J'arrive pas à mettre zéro. Bon, c'est bon, hein. On va dire que c'est bon. Rendez-vous réussi à moins de 200 mètres. Allez, choisir le résultat de la prédiction. Oui. Rendez-vous réussi? Oui. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir faire une autre prédiction. C'est est-ce qu'on arrive à ramener les trois osios? On va recommencer une prédiction. Donc, Maud dans ira pas loin 25, le vaisseau de secours. Donc, réponse 1, bleu, oui. Réponse 2, rose, rouge, non. Hop, vous avez 5 minutes. Tiens, on va regarder. Ah ouais, elles sont. Et les Apo et les. Apo et Pyrrhéas sont les mêmes. Oh là 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 là, c'est beau. Oh, c'est beau. Au pire, on sera à 2 km. Avec une vitesse relative de 0,5. Oh, je crois que je vais faire des tutos, hein. Il y a trois places. Oui, il y a trois places. Oui, parce que j'ai le vaisseau de commande et puis j'ai un vaisseau de place. Donc, on va Valentina transférer équipage. Transfert. Elle va choisir une pièce. Hop, elle va avec sa cope. Poup. Voilà, elles sont l'une en face de l'autre. Coucou!
Margot. Transfert équipage. Margot, transfert. Elle va là. Elle est partie? Non, j'ai loupé mon coup. Ah si, 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 elle est partie. Ok. Donc, Margot. Je vais attendre la fin de la prédiction. Ouais, elle s'éloigne doucettement. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il y en a encore pour combien de temps? Elle a pas marché la prédiction? Elle a été super courte en fait. Ok. Bon, Margot, AEV. Pop. Est-ce que au passage, elle peut faire un petit vide. Elle est vide. Un petit rapport d'AEV? Est-ce qu'elle ramène chacune 16 de science? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que je le fasse faire à la Valentina aussi. Alors, ici, elle lâche. Hop. Il faut qu'elle enclenche le RCS. Pop. Et puis, on va mettre ça comme cible. 52 mètres. Allez, poup. Faut que je vise ici la cible. Oups. Oh, c'est. Voilà, hop. Ouais, mais je m'éloigne pas de beaucoup. Tramadol, ça devrait le faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de gaz. Alors, j'appuie sur I. Elle passe en mode bricole. Hein. Elle a son bzz, bzz. Donc, clac. Alors, on le balance plus loin. Qu'est-ce qui manque d'autre? Qu'est-ce qui gêne d'autre? Tac. Tac. Et je pense que là, c'est bon sur l'écoutille. Elle devrait pouvoir sortir. Au pire, je peux la faire sortir tout de suite. Je change de. Hop, je suis dans IRA pas loin 19 avec Maude. Allô, Maude, ça va? Es-tu prêt pour ta sortie spatiale? Oups! Ça s'est désactivé. Et voilà, elles sont toutes les deux sorties. Cool. Oh bah tu vas faire un petit rapport d'AEV. Allez, il faut récupérer de la science. Vous travaillez pour la science. Alors du coup, je vais repasser sur. Sur Margot. Margot, il faut qu'elle revienne au. 61 mètres. Alors elle a son RCS. Allez, hop. Je peux pas cumuler la science. Si j'ai mes trois personnages peuvent pas. Ça comptera que comme un. Bon, de toute façon, la science, elle est dans le vaisseau, il ira pas loin 19, et bah, il ira pas loin 19, il est perdu, hein. Il va tourner. Est-ce qu'il y a moyen de venir le rechercher? Sachant qu'il n'y a pas de dock. Il n'y a pas de port d'amarrage. Bon, là, on voit rien, on est dans le noir. Heureusement que. Ah, là, vous voyez mieux peut-être.
Je peux. Non, l'autre est accroché, donc c'est bon. Je pourrais peut-être faire les deux en même temps, mais on va faire ça une par une. 30 mètres. Faut débloquer la pince pour récupérer un vaisseau. Ah, ok. On viendra faire le ménage un peu plus tard. Parce que c'est vrai que ça fait un peu désordre ce truc. Il y a encore du pétrole en plus dedans. On pourrait peut-être le ramener sur Kerbin. Sinon, on le fait s'écraser sur la mune. 17 mètres. Il faut juste trouver l'écoutille. 13 mètres. Freine, freine. 10 mètres. De quel côté est l'écoutille? On voit rien là. Peu vers le haut. Où est l'écoutille? Elle est là. Ok. Donc pas trop vers le haut. Par là. Mais pas trop. Hop, un petit coup de Z. Dans le noir, c'est pas évident. Hein. Hop, hop. Et juste là, l'écoutille. Un mètre. Oups, j'aurais mis trop. C'est hyper sensible. T'es pas accroché là? Elle est coincée dessus! Elle est coincée! Embarquée! Ouf! Margot est revenue à bon port. Bon, 94 mètres. Oula! Il va pas falloir trop traîner quand même. Donc, Margot, transférer équipage, faut que tu fasses de la place. Donc, tu vas. Hop! Du coup, c'est Maud qui va ramener le vaisseau. Bon bah elle sera au boulot, elle est pas traumatisée de toute façon. Allez, on bascule, hop, sur mode. Elle lâche, hop. Elle déclenche son RCS. L'autre vaisseau est là. Nous allons le prendre pour cible. 80, 100 mètres. Allez, pop. Et toi dans la bonne direction. Tchouk, 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 tchouk. Voilà. Salut petit 1. Y a pas moyen de régler la puissance des RCS comme pour les moteurs. Je sais pas. Ah si, limiteur de poussée. Si, si, y a moyen. Mais bon, c'est. Oups, pardon. Reprendre le vol. C'est. Les premières fois, parce que je me suis un petit peu entraîné aux AEV. Les premières fois, on donne des grands coups de pression et ça part dans tous les sens. Faut vraiment s'habituer à donner que des petits coups. Des tout tout petits coups sur le. C'est vrai que si je limitais la poussée à 50. Salut Hotbug. Du coup, oh là, oh. Hop. J'aurais pas dû limiter la poussée là. D'autres paniques. Pourquoi ça marche pas bien pour elle?
est là. Hein. Elle est toujours. Pourquoi t'avances plus là? 6 mètres. Allez, hop. Petit coup de poussée. 5 mètres 5, 5 mètres 4. Hop. 4 mètres 7. Heureusement que le truc s'illumine en vert. Hop. Petit coup vers le haut. Vers le bas, non, trop. Hop, 2 mètres. Un petit coup à gauche, tout petit chouïa en haut. Ah, elle touche. Alors, il faut que tu montes. Embarqué. F attrapé. Ouch. Embarqué. Impossible de stocker les expériences. Ah. Voulez-vous vraiment continuer? Jeter les expériences. Dommage. Ben, on reviendra. Hein. On va revenir. Voilà. Donc elles sont à 3. Il y a Maud, Margot et Valentina. Tac tac tac. Donc Maud au poste de commande. C'est elle qui va ramener le bazar. Donc prédiction, eh ben c'est réussi. Maud dans ira pas loin 25. Ah, vous étiez 74% d'optimistes. Choisir la réponse, oui. terminer la prédiction. Donc la prochaine prédiction c'est les trois nos trois astronautes intacts sur Kerbin. Commencer une prédiction. Ah oui, j'avais mis une minute pour le truc. Donc, les trois astronautes vivantes sur Kerbin. Réponse 1, bleu, oui. Réponse 2, rouge, non. Je mets 5 minutes. Hop, parce qu'il faut réfléchir là. Lorsque tu dois acheter une expérience, ça veut dire que tu as déjà faite. Ouais, c'est parce qu'il y a une sortie extravéhiculaire de Margot en fait. Alors, on est toutes. Ah, faudrait que je décible. Comment je peux décibler? Ah, 152 mètres. Voilà, aucune cible. Bon, ce qui fait déjà qu'on va pas se toucher. C'est pas plus mal. Alors, est-ce qu'on est dans une bonne position pour faire un retour sur Kerbin? Je vais attendre la fin de la prédiction. Ma fille est sur ton vol, donc il y a intérêt à ce que ça se passe bien. On va essayer. On va essayer, Tita. T'as plus beaucoup d'ergol. Je vais pencher sur non. J'en ai un max, j'en ai 582. C'est bien suffisant, 582. C'est bien suffisant. Non. Après, j'ai un autre astronaute, hein, donc je peux encore faire une autre mission, un ira pas loin 26, pour ramener du carburant. Allez, on va commencer à jouer avec les nœuds de manœuvre. De toute façon, c'est pas compliqué vu notre situation. C'est ici et c'est à fond. Boop, hop. Boop. Il faut qu'on se libère. Voilà. Donc là, oh, on se fait une libération dans ce coin-là. Donc je pense qu'après, on tourne comme ça. Oui. Et on revient au périaste qui est très loin. 3626 km. Mais bon, ça peut s'arranger. On est à 113 mètres secondes. Hop, hop.
Alors soit on fait une entrée directe, on est à 142, ou soit on en a beaucoup et on se tente une d'abord une mise en orbite. Pour l'instant, deux prédictions, t'as mis oui aux deux et t'as gagné. Et là, t'as dit oui. Oh oui, oui, ça va rentrer. Après, vivante, souvenez-vous de Sean. 1080. Ah, il faut dépenser quand même un peu de... 856. 470 km. Parce que qu'est-ce qu'on avait fait le dernier coup avec Sean qui avait... Ah, on peut pas plus, là. Qui avait coincé. Parce que là, on dépense beaucoup de delta V. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop. On dépense beaucoup de delta V et on n'arrive plus trop à ramener à 680... 87 km. Elle marche bien la technique de la molette sur les points de manœuvre. Ouais, merci. Je sais plus si c'est toi qui me l'avais indiqué. 63 km. On consomme 236, il nous en reste pas mal. Je pense qu'il doit nous en rester suffisamment pour se mettre en orbite, voire à faire une descente plus... Parce que le dernier coup, on était arrivé comme une bille à 32 km, je crois. Et ça avait surchauffé, ça avait tout pété, le Sean il s'en était sorti en s'éjectant en parachute. C'était assez chaud. Donc soit on descend plus, on va se le faire, on a de l'ergol, on va dépenser 236, il nous en reste 582. Par contre 63, on est déjà dans l'atmosphère. Hein. Quasiment. Hein. Mais il faudra bien le freiner pour le faire descendre après. Ou alors je me mets un peu plus haut, style 80. Ou 163, c'est peut-être un peu haut quoi. On est d'accord que pour réussir, tous les astronautes doivent survivre. Ouais, ouais. J'ai dit les trois vivants. Pour ça que j'ai bien précisé. 83. On va rester là-dessus. Par contre, 2 minutes 40 de combustion, c'est parce que... Il faut que je remette mon moulin limiteur de poussée à 100. Hop. On a 16 secondes de combustion, c'est déjà mieux. Le nœud est dans 35 minutes. Il faudrait être sûr que l'autre soit pas dans le coin. Mode manœuvre. Non, c'est bon. Il est. On n'est pas du tout dans le coin. C'est dégagé. 216 mètres. Hein, il ira pas loin 19. Qui va encore tourner pendant un moment. Donc c'est mode qui ramène le vaisseau. Et Margot, t'as bien bossé. Bon, Valentina aussi. Hein. Elle nous a fait un rendez-vous aux petits oignons. C'est tous des champions. Enfin, sauf si mode plante la mission. Quoi. Faudrait peut-être lui laisser placer Valentina. Le problème, c'est qu'on peut plus les échanger sans faire d'AEV, là. Ouais, c'est compliqué. Bon, allez. On se met... minutes, on les fait passer rapidement. On était à la peau, c'est le plus loin de Moon. Voilà. Au revoir la Moon. Adieu, on t'aimait bien. 16 secondes, donc c'est à T-8 qu'on balance la sauce. Je suis bien en mode manœuvre. Je suis bien dirigé vers la manœuvre. 50.
40. J'adore les comptes à rebours. Vingt, quinze, quatorze, treize, douze, onze, dix, neuf, huit, mise à feu. Il est parti le... Ouh, il ira pas loin 19, il est parti. Verdict. Hop, on est parti là-bas. On est parti par ici. On retournera par là. C'est dans ce sens-là ou... Ou dans ce sens-là. Salut Trévis, fait longtemps que tu n'as pas joué à KSP à l'ancienne. Mec Jep, t'as rendu un peu paresseux. Ouais, je pense que... J'ai vu des lives avec des gars qui utilisaient ça et... Je dis pas qu'au bout d'un certain temps où tu joues, faire tout à la mano et compagnie, ça doit lasser. Mais du coup, après, si c'est trop facile, si... Ouais, je sais pas. Bon, on va accélérer. Parce que là, on n'est pas rendu. Hein. Le périastre, il est dans une journée et une heure. Ça fait dans les 7 heures. Hein. Je crois que la journée fait 6 heures. Et il nous reste 349 mètres par seconde de delta V. Allez, on fait une accélération 100 fois déjà. Pour voir, pour nous voir se séparer de... Oh oh, d'ira pas loin 19. On doit même plus le voir là, quand on est trop loin. Au revoir la mune. On reviendra. Avec des petites béquilles pour se poser dessus. J'aimerais bien voir comment je raccroche les wagons ici. Je pense que c'est ici là. Le trait blanc c'est le trait qu'on a... Le gros trait c'est le trait qu'on a fait. Le trait fin c'est le trait où on va. Donc en fait on... Comment il raccroche les wagons là quand on est au poète, à la libération de la mune. Parce que là on est toujours sous l'influence de la mune. Là on va se libérer de la mune et on va tomber sur l'influence de Carbine. On va réduire la vitesse pour bien voir comment ça se passe. Ah ouais d'accord. Vous avez vu la... Notre direction va d'un coup... Ploup, elle va passer là. Non. Là. Ah ouais, ça fait... On fait comme ça et comme ça. C'est bizarre, hein. Parce que là, on va dans ce sens-là. Voilà Poastre qui se pousse. Ouais, c'est vraiment étrange. Vraiment étrange. Bon allez, on va aller avancer ici, on va avancer de 4 heures. Salut Curdan, merci pour le suivi. Donc on a un périastre à 87 dans 23 minutes. Eh ben on va mettre un petit coup de frein. Pop, 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 pop. On a 349. Ouh, disons la mise en orbite. Ah vache.
Alors, donc ça va pas. On va faire autrement. Si on le fait maintenant. On a un périas de 60. Ouais, ça va le faire. 49. Donc là, c'est meilleur. En fait, plus on le fait tard, plus on dépense beaucoup pour. Alors que plus on fait le tôt, plus ça descend. Périas sera 50, c'est bon pour arriver, pour freiner, pour faire un freinage aérodynamique. Ça, il faudrait que je regarde ça. Parce que le dernier coup, on était arrivé beaucoup trop bas. Hein. Et il me restera, je vais dépenser 63 mètres par seconde, il me restera 349, il me restera 260, 270 mètres par seconde. En dessous de 40. Ouais, j'avais visé dans les 30 km le dernier coup et ça s'était mal passé. Ouais. À 55, je dirais, j'arrive assez vite. Ce qu'il y a, c'est que 55, si j'arrive pas à le freiner, je vais faire des grandes orbites, hein. Si je rebondis, quoi. En fait, ça dépend de la vitesse. Voilà, actuellement, je suis à 1549, mais au périastre, je vais être à 3000. À tous les coups, c'est une histoire dans ce style-là, hein. Le top, c'est 20 km plein gaz. Je l'ai essayé. Ça marche. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Non, on va essayer le 50. Éventuellement, on fait une sauvegarde. Le bouclier va chauffer. Et puis, arrivé à 50, on met un grand coup de frein. On rajoute un grand coup de frein, je sais pas si ça va être efficace, parce que le il est pas très très fort, il est pas très très violent le. C'est un terrier que j'ai. Un LV 909, 309. Qu'est-ce que j'ai mis comme truc? Ouais, 909. Il est pas hyper violent hein, au niveau freinage. De toute façon, après les filles, j'ai pas de science à ramener, hein, puisque la science elle est restée, elle est restée autour de la Moon. Alors, notre nœud est dans 2 minutes. C'est du rétrograde, hein, de toute façon. Ouais. Et c'est une combustion de 4 secondes. Ouh, c'est court. C'est court, c'est court. Allez. Cinquante-sept. Ah, on la voit déjà plus grosse, la Terre. Enfin, carbine. Ouais, on le fait en mode comme ça, c'est plus fun. Donc à moins 2, 25, 20, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
regarder le résultat. On a 50 km. Par contre, il me reste 286 d'ergol. Est-ce que je le jette Est-ce que je le garde pour freiner quand je serai à 50? Mais ça va chauffer, à 50 ça va déjà chauffer, hein. Pour dire de finir de... Et salut Carcosion et merci pour tes 30 mois. Bonjour ici, merci pour le soutien. Pop, pop, la double carotte de diamant. Pa, 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 ça pétouille. Ouais, je suis pas encore super au point. Enfin, je suis pas super au point pour tout, hein. Je débute, hein. C'est mon 7ème live, donc je suis à combien d'heures de jeu? 6 x 3, 18. Même pas 6 x 3. Ouais, si, en comptant les petits essais que je fais hors live. 6 x 3, 18. Je dois être une, 20 heures, ouais, une vingtaine d'heures de jeu. Entre 20 et 25 heures de jeu, quoi. Donc c'est tout... je suis tout débutant, quoi. Donc ce que je me demande, c'est... Si je... Donc en fait, avant de rentrer dans l'atmosphère, à 70, j'utilise pas l'ergol qui me reste pour freiner. Et descendre plus bas, quoi. Ou est-ce que je fais un freinage... Si tu ferais en mort rétrograde à ton périastre, ça va raccourcir ton apoastre, t'auras une orbite propre. Bah ouais, est-ce que j'ai assez? On peut le simuler, remarque, hein. J'utilise tout. Combien il me reste? 286, je mets 286 là. Hop. 286, on dirait que on est éjecté. Ah, j'ai mis 200... j'ai mis 286 en... Il faut mettre moins 286. Ah, voilà. Eh oui, c'est pas assez, en fait, hein, pour freiner. Perso, t'as 433. Ouf. Ouais, ça fera pas une orbite propre. J'ai pas assez. Parce que là, à 50, je vais freiner, mais je vais repartir. Il va me falloir combien de tours après? Bon, on n'est pas pressé, hein. Maud, ça fait déjà 10 jours qu'elle est dans l'espace. Là, cette mission-là, ça fait 8 jours qu'elle est partie. Elle était partie 3-4 jours avant, hein. Donc 10-12 jours. Bon, après, ils ont ramené de la nourriture, de l'eau, ils l'ont hydratée et tout. Donc elle va bien. Hein, Maud, tu vas bien? Ouais, elle va bien, Maud. Ouais. Elle a repris des couleurs, elle a repris un peu de verdure. Hop, ça va mieux. Après, je peux faire une sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Lester? Ouais, par contre, du coup, ça m'a fait autoriser... Ne freine pas à 50, ça va te faire baisser la paix, ça sert à rien. Bah si, au fur et à mesure, ça fait baisser la paix et donc ça va aussi faire baisser le périastre. Et au fur et à mesure, je vais toc, 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 je vais retomber sur Terre. Je l'ai déjà fait, ça. Au bout d'un certain nombre d'orbites, tu finis par tomber. Ce que j'aurais voulu, c'était plus une approche... Mais si je freine plus tôt... Donc en amenant le périaste à 30, ça je l'ai fait aussi et c'est la 14. Tout crame. Tiens, j'ai deux manœuvres. Ouais. Tu.
Alors, cure-dents 700, c'est dur, c'est long de tout visiter. Ouais, pour aller dans toutes les planètes et tout, ouais. Déjà, moi je vois que avec mes 20 petites heures, j'ai été que sur la Lune. Bon, on va accélérer un petit peu. De 6 minutes. Ouais, je suis à 2600, hein. Donc c'est à peu près ça, c'est on arrive à 3000 au périastre. Donc 3000 au périastre à 50. Non, je me suis pas posé. Non, j'ai fait que des orbites. Là, c'est une mission de sauvetage, là. Hein. Ben, en fait, j'ai envoyé une fusée en orbite autour de la Lune, mais j'avais oublié les batteries, donc elle est tombée en panne d'électricité. Donc là, c'est une mission de sauvetage où ils sont partis rechercher notre astronaute désélectrifié. Bon, je suis à 237 000, donc jusque-là, tout va bien. Donc la question est, est-ce que je me sépare de mes 286 mètres par seconde de delta V qui me restent, sachant que je ne les utiliserai pas, ou j'en profite ici, alors un petit peu avant les 50, peut-être ici, pour tout cramer. Ah ouais, mais ça me fait descendre le... pas descendre le périastre. Il faut que je crame tout au périastre. Ah ouais. Ne soyons pas trop gourmands. Ça me fera des orbites moins longues. Voilà, pop. Bon, si le truc a pas explosé, parce qu'à 50, ça va commencer à bien chauffer. Hein. C'est à combien que c'est... Ça commence à chauffer à 70. Oh, je descends pas beaucoup le périastre. Si je crame tout au bon moment. Ouais, le problème c'est le bon moment. Moi je pense que j'ai envie de tout cramer en rétrograde à 70. Ou alors on joue sur d'autres trucs que le rétrograde. Ouais non, ça va pas faire beaucoup ça. Non, ça le déplace juste comme ça. Écoute ton cœur. Moi j'ai peur, je veux pas les tuer. On va faire une sauvegarde. F5. On sait jamais. Si on les tue. Après, si on les tue, on les tue. Hein. Rétrograde. Plop, 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 plop. Pour l'instant, on est à 97. Ouais, on va arriver assez vite à... Ouais, là, on descend pas trop le 45. Ouais, ça me plaît pas mal, ça. On va faire ça. À 70, on crame tout. Parce que là, on est à 3000 mètres par seconde. 75. Je suis bien en rétrograde. 3100. Plus de musique, pas bon signe. Allez. Ouais, la vitesse, elle tombe pas énormément. Hein. Ouh, ça va vite, dis donc le. Mais bon, ça y est, j'ai tout cramé. Hein. 60. Bon, je me remets en appo, en pro, je dégage le truc. Je me remets en rétro. Hop. Je pense que les batteries, on va les griller. On est à 2008, on n'a pas freiné beaucoup. Hein. Je suis à 53. Oui, on va faire un certain nombre de tours.
Parce que là, le périastre, il est ici. Il est dans 50 secondes à 46. Donc là, on va freiner, mais... Ouais, les batteries rip. Mais bon, on n'en a plus besoin de toute façon maintenant. Après, si les 4 pètent pas... il freine pas terrible. Hein. Périas dans 28 secondes. 2800. On aurait dû faire une prédiction sur le nombre de tours. Combien de tours on va faire? Parce que là, le Périas serait dans 7 secondes. On est à 45 km. Donc on rebondit en fait, hein. Pof. Ça y est, on est au périastre, on remonte. 2700. Ça a l'air de tenir, ouais. Donc on est reparti pour un tour. Est-ce que c'est le prochain qui va nous, complètement nous freiner ou c'est ce qu'il va en falloir 3? Non, donc un tour. Je pense qu'il va falloir un deuxième tour. Où es-tu? Oh vache, elle est loin. Bon, après, la peau, il continue de descendre. Hein. Donc comme on ralentit, en fait, le cercle, l'orbite... Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Si on n'a pas un problème de parachute ou autre, on ramène nos trois astronautes. Salut Némésis. Donc on va revenir, on va revenir pour un tour. 41 minutes. Bon, on n'est plus à tout ça. Avancer ici. Ah oui, en mode tant qu'on n'est pas sorti de l'atmosphère, avance rapide et bridée. C'est quoi ça, 28 km? Débride ira pas loin. Ah ouais, mais ils sont au sol, ceux-là. 33 km. Ah non, 98. Ah non, il y a encore des débris à 30. C'est quoi ce Beans? Ah oui, là, en ce mode-là, je les vois pas. Il faudrait que je passe en mode. En mode carte. En mode. Quand je suis au. Voilà, c'est la nuit. Faut la couper et la remettre. Appuyer sur slash. Non, je peux pas couper. C'est pas slash chez moi. Ah zut. Ouais, parce que là, du coup, il fait l'avance rapide qu'à 4 fois. 36 minutes en 4 fois, ça fait 9 minutes. Ah, c'est ce que j'ai lâché en rentrant dans l'atmo. Ah oui, c'est mon moteur. Ah non, je peux le couper ici. Ouais, là, je peux le remettre. Donc, le périastre est là. On va revenir ici. Avancer ici. Voilà, on va avancer à 100 fois. Ça va déjà aller plus vite. On a un appôt à 543 km, périastre à 44. J'ai récupéré un lapin.
Ouais, c'est les lapins, ça se multiplie. On est parti à deux lapins, on revient à trois lapins. Hop. Bon, après, je pourrais même continuer. Puis de toute façon, il va se couper. Pouf, voilà, bah, il va se couper. Je suis à combien? 68. Bon, ça va réchauffer un coup. Donc, moi, j'avais dit, je repars. Est-ce qu'il y en a qui disent que ce coup-ci, ça va bien nous freiner? Et on va pas pouvoir remonter. Le périastre est dans 2 minutes. 2 minutes du 12, il est à 44 km. C'est pas évident, hein. On est à 2500 mètres par seconde. Donc on est. Tout à l'heure, on est arrivé à 3. On est arrivé à 2008. Donc on va un chouï moins vite. On n'a même pas explosé les batteries. Alors qu'avec Sean, au tour précédent, les batteries. Là. Ça suffira, tu dis, tiens, il va nous freiner suffisamment. 44, c'est pas haut, hein. Et il continue de descendre. 44. Alors que notre vitesse bouge peu, c'est marrant. La peau astre descend. 1 minute 26, hein. On est quand même à 2600. C'est pas évident, hein. Cure-dent y croit aussi. Bon, je peux pas lancer de deuxième prédiction alors. Donc on est reparti à freiner. On était monté à 2600 mètres par seconde. On est reparti à freiner. On a le périas dans 1 minute 10. Minute 5. Le bon signe, c'est quand tu vois le temps. Le périastre réavance en fait. C'est-à-dire, il part sous la terre. On le rattrape plus. Mais là, on continue de le rattraper, hein, 2500. Moi, je. On risque de chauffer quand même pas mal. 43-30, oui, on va peut-être pas remonter. T'es moins 50. C'est chaud. Périastre est à 39 secondes, 38. Les secondes s'allongent. Donc il recule en fait, hein, le périastre avance devant nous. Quatre, 33, 32, 31. Les secondes sont plus longues. Je pense que ça va être bon. Ah, c'est pas évident. 29. Ouais, c'est bon. Un tour encore, dit bonbon miel. C'est pas évident du tout, hein. Parce que là. Ah, c'est bon, 29, 30. Ouais, c'est bon, on tombe. On le rattrapera pas, le périastre. Donc il va passer sous la. Voilà, il s'enfuit. Donc c'est bon, on fera pas d'autres tours. Salut à Loïs. Voilà. Piop, 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 piop. Par contre, après, où est-ce qu'on va atterrir? Alors là, pop, 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 pop. Donc 2300 mètres par seconde. Bon, avec le bouclier thermique, c'est bon. 2200. Enfin, 2290. Prédiction de où on va atterrir. Pop, pop, pop. On va atterrir de nuit. J'aime pas ça. Ouais, on voit le trait bleu qui va rentrer sous terre. Voilà. Bon, atterrissage de nuit. 2220. On est à 41 km. Tout est nominal, comme ils disent. Hein. Bonjour 7, salut Dame Dodo. Eh ben les sauvetages, on a Maud, Margot et Valentina qui sont dans la même capsule. Enfin, c'est Maud qui est aux commandes. Margot et Valentina ont réussi leur mission. Elles ont ramené Maud.
C'était toute beauté. Un rendez-vous parfait. Peu importe le coin perdu pour atterrir, l'essentiel c'est de toucher le sol en entier. On est à 40 km de 1100 mètres par seconde. Et on va atterrir quelque part par ici. Bon, le centre spatial est de l'autre côté. Un rendez-vous qui aurait pris deux lives. Ouais, c'est vrai qu'on était parti. En plus, le live d'il y a 15 jours. J'irai voir le sauvetage avec la rediff. Ouais, c'était beau. Le sauvetage était beau. Les sorties extravéhiculaires splendides. Maîtrisées de main de maître. On pourrait presque le transformer en tuto. Ça t'a préparé au docking, ouais. Ouais. On va pouvoir après. Le prochain truc qu'on va essayer de faire, c'est d'aller se poser sur la Lune. Il va être chaud, ça aussi. Enfin, faut que j'aille récupérer l'expérience. Faut que j'aille refaire une orbite. Mais je pense que je vais le faire avec une orbite en préparant la fusée. Si j'ai de quoi débloquer des réservoirs qui vont bien, au moins l'été 800. On est à 1628 km. Jusque-là, tout va bien. Bon, c'est une entrée pas trop mal. On est au-dessus de la montagne là. Après, je sais pas dans quoi on tombe comme zone. Ouais, un rendez-vous à 50 mètres et il n'était pas parfait parce que j'étais pas 0-0. Le rendez-vous où il faut que les deux trucs soient pile et qu'ils bougent plus, ils doivent pas être évidents du tout. Mais bon, j'ai pas de RCS alors. Pas hyper peaufiné non plus. Même si je sais pas si c'est utile. Bon, c'est plus en feu, on est passé sous les 1000 mètres par seconde, on est à 17 km. On va plus rien voir. Il va faire tout noir. Pour ceux qui ont la ref. Moi je l'avais pas la ref parce que j'ai pas vu le film. Du coup je le comprends pas bien. Il y en a qui ont vu le film, je leur ai demandé c'est quoi le truc et. Ça a l'air spécial. Est-ce qu'on. Ah oui, non, on voit pas le soleil, rien. La fusée est là. Enfin, la fusée. Ce qu'il en reste. On est à combien? 11 km. On déploie les parachutes. Hop. Les parachutes de freinage. Ah bah non, il déploie les deux. Voilà. Le parachute principal qui s'activera que bah quand ça ira moins vite. Dans les 2 km. Ah, c'est tiré du même truc, ouais. Après, moi, je. Le problème, c'est que le Robin des Bois, il y a un gag sur. Je vais être gentil. Un gag sur 10 qui me fait rire. Je suis pas. J'ai pas un humour hyper compatible. En fait, je me dis, si leur truc était plus court, ça serait drôle. Mais ils en font tellement une tartine que. Donc, j'ai du mal. J'ai du mal avec le Robin des Bois. Donc je n'ai pas regardé le film. Même s'il doit y avoir un peu de Shabbat dedans. Hop. Bon, j'espère que vous voyez. Alors attends, on est à 1000 mètres. Voilà, ça se déploie. On est dans de la plaine, a priori. Ouais, je sais ça, je sais plus à combien je les ai réglés. Je l'ai réglé en altitude à 2000. Et pression 0.2. Je crois que c'était dans le tuto ça. Donc j'ai gardé les valeurs du tuto. Enfin j'ai mis les valeurs du tuto. On a 4 mètres par seconde, 810 mètres du sol, on va accélérer un petit peu.
À 100 mètres, je remettrai en vitesse normale. Hop. Bon, ben, 4 mètres par seconde. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours, mais je pense que ça se présente très très bien tout ça. Ça se présente très très bien. Tu les as vus au théâtre? La moitié de la salle est sortie avant l'entracte. Ah ouais. C'est bon? Je suis même pas. Eh, c'est tellement doux. C'est pas du bel atterrissage, ça. Alors, je vais pas faire d'AEV parce que j'arriverai pas à remontrer dedans. Je pense qu'il n'y a pas d'échelle, rien. Donc, allez, on récupère le vaisseau. On regarde un peu. Il doit y avoir juste la science avec la sortie. Plus doux qu'un castor. Rapport d'AEV dans l'espace. Loin au-dessus de la Lune. Récupération. Donc il doit peut-être aussi un rapport d'AEV pas loin au-dessus de la Lune. Récupération d'un vaisseau de retour d'une orbite au-dessus de la Lune. 16. Bon bah ça nous fait 32. 49. Ah 49, je peux peut-être débloquer des trucs. Et on a récupéré nos deux pilotes et notre ingénieur. Voilà, les choses qui vont bien. Ah oh, ben hé. Hey. On est assez content. Quelle heure il est? 16h05. Donc normalement... On dira... Ah, je peux les récupérer. À Berry sur carbine. Hop. Il ira pas loin 18. Hop. Ça fera un peu moins de poubelles. Le reste. Je crois qu'on les voit ici, les débris. J'ai 3 débris. Toi-même. Il ira pas loin 19. Normalement, je dois avoir un bout de... Il ira pas loin... Ah bah non, il ira pas loin 25 et reparti. Hop, hop. Parce que là, il y a 3 débris. Ah oui, ok. Donc, débris d'ira pas loin 16. Oh vache. Ira pas loin 25. Ou oh, avec un périastre à 40, il va pas tarder à tomber, lui. Petit à petit, il va tomber. Lui, périastre à 46, il va tomber aussi. Et le 14, périastre à 57. Ah, lui, il va mettre un peu plus de temps à retomber, hein. Il ira pas loin 14. Ok. Ouais, c'est rigolo ça. Bon, c'est rigolo, mais il faut pas se les taper. Bon, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Travis, tu as raison. Moi, tu devrais piloter le castor, elle vérifiera l'essence. Mais arrêtez avec ces histoires d'essence. C'est un complot en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là et la semaine prochaine on s'occupe de la Lune. Il faut que je regarde la science. Recherche et développement. Parce que là je peux peut-être acheter des trucs. Ah non, tout ce qui était à 45 je l'ai acheté. Aviation, on va... Commande de vol, qu'est-ce qu'il y a? Petite roue de réaction linéaire. C'est pour les trucs automatiques ça, mais pour l'instant moi je fais pas de trucs automatiques. On prépare la prochaine fusée, ouais peut-être. Et ça c'est du 90 donc je peux pas l'acheter. Alors ce qui m'embête parce que j'ai regardé un tuto pour la Lune de... et où le gars il faisait une fusée et il utilisait des T-800. Et le T-800 moi je l'ai pas. Après tu vas me dire, des T-800 c'est deux fois T-400. Là j'ai pris système de propulsion, système d'alimentation. Ah le T-800 il est là. Ça rajoute de la maniabilité, nous dit Mathéo.
Tu veux pas ramener des perroquets dans le... Dame Dodo, tu veux pas ramener des perroquets dans l'USS Enterprise? Commande de vol. Ouais, non, ça c'était bon. Aérodynamique. Construction avancée. Parce que ce que je pense faire, c'est que faire une fusée pour aller atterrir sur la Lune, si j'ai tout ce qu'il faut. On fait un premier essai, on fait une orbite avec pour récupérer de la science et tout le Bataclan. Et puis deuxième voyage, on se pose. Mais ça, on le fera ça le prochain coup. Par contre, les gars, ils mettaient pas de science junior. T400. Il y en a une, c'est un étage avec T200 un terrier, un T400, un T200 un terrier, deux T800, un LVT45. Et j'ai vu une autre fusée, c'était un T400 un terrier, un T400 un terrier, deux T800, toujours avec un LVT45. Bon, on va se faire ça. Est-ce que je repars complètement de zéro? 16h10. Il y a un arboretum, ouais. Bonbon miel. Ou est-ce que je reprends ma fusée Alors laquelle? Faudrait que j'ai un module junior. Tiens, s'il y a des spécialistes, le Science Junior, on est obligé de le ramener, ou une fois qu'on a fait les expériences, on peut le larguer. On va reprendre la 20, ouais, notre 25, elle était pas terrible, terrible, hein. Faut le ramener sauf si tu as une antenne. Ah ok. Alors. Ou un scientifique. Ouais, mais ce truc là c'est hyper lourd. Ah, c'est pas ça que je veux dire. Donc je vais remplacer ça par un science junior. Elle est où la science? Après, qu'est-ce que j'ai comme antenne? Le problème de l'antenne, c'est que tu perds une partie des données. Ouais. Ouais, moi, faut pas que je perte. Faut pas que j'ai de perte. Où elle est la science? Allez là. La science. Hop, un science junior. Il pèse combien lui? 0,2. Ah ouais, alors que lui il est. Ah, on n'a pas le poids. Bon, de toute façon, je vais pas le réutiliser lui. Par contre, les batteries. Hop. Oh, j'en avais pas besoin de 4. Oh, c'est bon, il arrive à ouvrir les portes alors qu'il y a les batteries dessus. Après, on pourrait faire peut-être ça plus proprement. Style comme ça. Hein. Donc ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il n'y a plus rien dessus. On n'emmène plus personne. Alors, premier étage. Ouais, comme j'ai pas de T800, faut que je cumule les T400. Donc là, j'ai un découpleur. Ouais.
découpleur TD12. Là j'ai un T400, un autre T400. Les gars ils mettent qu'un seul T400. Ils sont fous. Attends. C'est un T400 tout seul ça. Allez, on jette. Donc là j'ai un terrier. Oh, il est plus joli comme ça. Ah ouais, il est plus joli comme ça. Voilà. Et moi je. Pourquoi je veux du orange, il me met du noir. Il est pénible hein. Ouais bon. Ouais les petits damiers ça fait joli. Ça fait course Formule 1. Donc. Ah non, c'était même un T200. Ouais. Alors le gars il met les petites barres. Si on se prépare, donc on a les LT5. Il faut en mettre 4. Ouf. Pourquoi j'arrive pas à les poser? Ah, comme ça. Ah, c'est chaud. Je suis sur le découpleur. Ouais, mais ils vont pas être assez haut. Pourquoi il m'en a mis qu'un hein? Ah oui, parce que ça. Ça, il va dégager. Ah non. Ah, mais là, je vais péter mon truc. Comment ça marche? Ah oui, j'ai oublié la prédiction, ouais. Choisir le résultat de la prédiction. Oh bah vous aviez été optimiste, hein. Oui à 91%. Non à 9%. Vous avez été 4 à voter non, hein. Allez, donc les 3 astronautes vivantes sur Kerbin, oui. Donc là j'ai un problème avec les pieds. On est d'accord qu'on a un problème. Et c'est pas la... Comment ils font les gars? Me dites pas qu'ils les placent... qu'ils s'adaptent. Ah oui, parce qu'on peut pas. Je suis à 4, pourquoi il m'en met qu'une? Ah, ok. Ah. On peut pas les avoir plus bas. Déployer, protéger. Tracté. Ah, ils sont ouverts là. Là, ils sont rétractés. Toc, toc, toc. J'ai un trop gros moteur. Pourtant, les gars, qu'ils avaient. Le tuto que j'ai vu, bah, faudrait que je le re-regarde parce qu'ils avaient bien mis un LV 909.
LV909. Ah, sur un T200. Peut-être que le T200, il est différent. Alors attends. On va prendre un T200. Voir si ça change quelque chose. Je mets mon terrier là-dessus. Là, c'est juste, mais vous avez vu, je suis dans le vide là. Je devrais pouvoir faire la même chose sur le T400. Pas moyen de le... Oups. Les petits voyous. Après, je peux les descendre, mais ils sont dans le vide. Moi, ça me paraît pas très orthodoxe. Et quand je vais mettre mon découpleur. Ouais. Moi je dis. Il faudrait pas le péter le truc, hein. Quand on va arriver sur la lune. On va envoyer Sean. Je pense qu'on va envoyer Sean. Bon. Eux ils partent avec un T200. Moi je pars avec un T400. Ouais, mais l'autre il partait avec un T400 vu qu'il avait un Science Junior. Les batteries. Les batteries, je les ai mis. C'est bon. En dessous. Donc on va rétracter ce truc là. Oh non! Non! Machin de brin! Oh bah c'est encore mieux là. Je voulais rétracter. Voilà, clac. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? Là j'ai un T400. Donc il y en a un qui part avec un seul T400 plus un autre terrier, et le deuxième fusée il partait avec un T400 T200 plus un terrier. Voilà, on va faire ça. T200, hop. Par contre il faudrait que je récupère le terrier qui est là. Ah oui, non, c'est pas un terrier, c'était un gros que j'avais mis. Bon ben. Ah, il est plus joli comme ça, il pétouille plus, hein. Découpleur. Pop. Donc j'ai un T400. Un T200. Un terrier. Et après il mettait deux T800. Mais moi je n'ai pas de T800. Donc il faudrait que je mette pop. Ça va être grande cette fusée. Deux T400 et... Ah les gars, ils partaient avec des 45. Bon. Je vais faire comme ils disent, hein. On va faire confiance aux ingénieurs.
Ah non, il partait avec... Ah oui, un 45, mais j'ai pas de... Ah si, j'ai un 45. Pouf. Géronimo! Alors, au niveau aérodynamiste, il partait... Bon, je vais garder celle-là. Ah non, c'est des trucs basiques. Il vaudrait mieux que je prenne celle-là, les AVT1, ou je garde les ailettes basiques. Cela j'avais dit. Donc ça c'est les... C'est les gros bacs 4, les bacs cogneurs. Et ça il faut les descendre. Ouh. Oh je vais tout cramer. Et merci Gabi King, merci pour le suivi. Donc là au niveau truc on est bon. Les, il faut qu'ils soient assez hauts les... Ah bah ils sont où? Ah zut. C'est pas toujours évident à placer. Hein. Voilà c'est mieux. Et là ils sont trop hauts. Hop. Et au passage, il les mettait à 60%. Ah, est-ce que je garde ces gros machins-là? J'avais eu tellement des problèmes de stabilité sur l'autre. Elle est grande quand même, hein. Elle a une belle gueule. On va la tester. Équipage. Barre béchaune, voilà. Parfait. Ça va être l'ira pas loin à 26. On peut mettre une description. Test. Atterrisseur. Mune. Et hop. Sauvegarde. Hop. Alors au niveau des trucs, j'allume ça. Où sont mes découpleurs Ouais, je découple les radios et j'allume celui-là. Après, je découple. Je peux le faire à chaque fois le doubler. Puis alors en finale, au retour sur Terre, je découple ça et j'atterris avec mes parachutes. Est-ce que j'ai ma science
Baromètre, tout le Bataclan. Ah non, du coup, je les ai pas. La glérine. Peut-être que... Deux. Hop. Ah oui, il aurait fallu que je mette un munisseur. Ça souffle toujours, ça? Ouais, ça a pas l'air de le déranger, c'est bien. Du coup, on va mettre un thermomètre. Et puis un baromètre. Hop. On sauvegarde. On le teste vite fait avant la sieste. Non, avant le goûter. L'échelle pour descendre. Je crois qu'avec le jetpack, ça c'est bon, non? Et je, surtout, j'ai pas d'échelle. Je crois pas que j'ai d'échelle. Je l'ai jamais, j'ai jamais vu d'échelle. Après, j'en ai peut-être une, hein, mais... Alors... Ouais, je le ferai à la touche, le lacet, pour être sûr. Et ben, c'est nickel tout ça. On est prêt? Déjà, on va essayer de le mettre en orbite. Ça va être pas mal. Premier test, mise en orbite. Deuxième test, s'il nous reste assez de trucs, on partira vers la lune. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, top! Oh, il a pas l'air hyper véloce. Elle a dévié un peu. Ah, j'ai pas mis le SAS. C'est pour ça. Chaque fois j'oublie le SAS. On est à 5 km. T'as une sacrée poussée, hein. Niveau nombre de mètres secondes, on est pas mal. Par contre, je suis, comme j'ai pas mis le SH, je suis un peu parti n'importe comment au niveau mise en orbite. Bon, comme c'est un test. Je suis à 57 d'apoastre. La mise en orbite, on va la réussir. Elle a l'air d'être souple, la fusée, non? C'est bien ça, une certaine souplesse. Ploup, ploup.
80 d'apoastre. Hop, on se met à plat. On est toujours pas en orbite, hein. Orbite au pôle, ouais, pas vraiment, entre les deux en fait. c'est une bizarre weed. Par contre, je suis en train de tout consommer là pour. Ça, c'est ce qui est censé m'amener sur la lune. Ouais, donc c'est bon, il reste 1000. Ah ouais, si, c'est largement bon. Façon ISS, ouais. Bon, on est à moins 222 au périast. Je pense qu'on va tout dépenser pour la mise en orbite. Bon, elle commence à arriver, la mise en orbite, c'est bon. Je pense qu'elle va pas poser de soucis. Ça y est. On va circulariser tout ça. Hop. Voilà. 72 km de périastre. C'est bon. De toute façon, on va a priori. Combien il reste? 515 plus 1916. Sachant que c'est un test, on se pose pas sur la lune. Pop, pop, pop. Par contre, on va, je pense, arrêter là. Alors première chose à faire, ça va être de définir comme cible. Par contre, je voulais pas forcément être centrage carbine. Il est où mon vaisseau? Il est où mon vaisseau? Il est là. Non. Je veux cibler sur toi. Voyou. Je peux pas cibler sur mon vaisseau. Alors je suis là. Ouais, faut que je me mette au nœud. Ah, j'ai 36 degrés. Hein. Ajouter une manœuvre. Ah, j'ai enlevé la cible, mais je suis bête, moi. Oh, faut pas que je... Par contre, je dépense 1330... Presque 1400 pour retrouver le nœud.
ça coûte cher, hein. Ouais, cure-dent, ça coûte cher. Pop, pop. Après, est-ce que j'ai pas. Est-ce que je m'en moque pas, en fait? Est-ce que c'est nécessaire? D'autant quand j'arrive pas. J'arrive même pas à trouver le vrai zéro. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que. Pas besoin, le nœud? C'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ouais, si je pars. Ah oui, parce que. Oui. C'est plus compliqué parce qu'il faut tomber pile. Ouais. Ok, je comprends. Là, je tombe dans l'attraction de la libération de Kerbin. Rencontre avec la Mune. Et je suis quand même à 1084. Ouais. Ouais, donc il faut réussir son atterrissage. Bon, on va ramener Sean, ça a testé la fusée. Bon, faut pas que j'oublie le SAS. Donc ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que je suis pas encore au niveau. Effacer le ciblage. On efface ça. Hop, allez, on revient. Et puis ça sera bien. Bon, je peux freiner avec celui-là. Je me mets en rétrograde. On peut faire avec un nœud de manœuvre. Où est-ce qu'on enlève les débris là? Pop. Je peux pas remettre mon. Ça m'énerve. Je veux remettre le centrage sur mon vaisseau. J'y arrive pas. Si je clique dessus, il veut absolument me rajouter un nœud de manœuvre, cette andouille. M'énerve un peu, hein. Allez, on descend le périastre. Oh, en plus, on sera pas loin. À 33. C'est bon. 33 ici. Est-ce qu'on va se retrouver. On risque d'être freiné avant. Allez, hop. On ramène Sean et puis je vais goûter. J'ai faim. En plus, il y a des cookies aujourd'hui. À 4 secondes. Je suis bien rétro. Je vais même me mettre carrément à la manœuvre. Dans 2 secondes, 5, 4, 3, 2. Hop. Bien, il reste à 30. J'ai intérêt à lâcher tous mes machins là. Ah, est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu de science là, tiens? Oh, se récupérer quand même 5 et demi de science. La glérine, je crois qu'on l'a déjà fait. Plus 0,5. Wow, on va pas cracher dessus, hein.
Ah ouais, ça par contre. Ouais, ça on l'a déjà fait, ça marche pas. Ok. Fermer les portes. Rapport d'équipage. Ouais, ça rapporte plus rien, ça. Ok, Doc. Je débarque, mais au cas où, t'as pas oublié le carburant. Ah, très drôle, très drôle. Vous êtes méchant avec moi. Allez. Ouf, faudrait que je lâche. Suite, ça va faire plein de débris. J'ai peut-être intérêt à les lâcher pas trop loin du périastre. Comme ça, ils vont retourner dans l'atmosphère. On est à 80 km. Ouais, non, de toute façon, c'est pareil. On est sur la même orbite. Non, non, c'est pareil. Bon, allez. On lâche ça. On va le lâcher en pro. Tiens, on va tester ces G. Joli. Joli. Bon, ben on le lâche, hein. On se met en rétro. You. Et c'est parti. YOLO. Oh, bah ben ça y est, on est déjà. On est à 67. On est à 2400 mètres secondes. On est un peu dans la même configuration que tout à l'heure. Sauf que. Ah non, donc on va monter encore. Ah ouais, on va monter à 3000, on va finir à 3000 mètres secondes là. Mission annulée. Oui, Mathéo, j'étais pas sur le bon, j'étais pas du tout sur le bon plan ellipsoïdal. Donc on annule la mission. On le fera la prochaine fois, on le fera samedi prochain. Là, c'est pause goûter et puis on repart sur l'USS Enterprise. Objectif, finir les ponts. Pop, 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 pop. Pont 3, pont 2, pont 1. Et quelques babioles. Je suis où là? Mon périastre est dans 3 minutes. Oh, ça crame déjà. Je suis bien en rétro. Ouais, c'est. Où est la planète? Ouah, ouah, ouah. Oula, les débris, ils sont pas loin. ils s'éloignent, c'est bon. De 1300, j'avais dit 3000, ben non, en fait. Il avait déjà bien ralenti. Alors est-ce qu'on va. Non, on va tomber dans le. Ouais, non, on va pas. On sera même pas dans l'océan, peut-être. On va être. On va tomber quelque part par ici. Attraction. Ouais. Alors, 2000. Bah, c'est tout bon, ça. Salut, Oya. Éviter l'océan, on va tomber dans les montagnes. Ouh.
1200, 24 km, c'est tout bon. Je pense au décollage au SAS. Treize kilomètres, c'est OK pour les parachutes. Parachute de freinage. C'est du 1000 pieds, 1000 mètres sol. Mes prochains petits persos, si on embauche plus après, il y aura peut-être Jay et Fredo. Hein. On voit la mune. On a quoi, 1000 mètres? Bon, c'est bon. La vitesse est bonne. Faudrait que ça descende un peu plus. Mais pourquoi ils ne se sont pas déployés ceux-là? 1300 mètres. 8 mètres secondes, c'est rapide. Ils vont se déployer un peu plus tard. Je sais pas combien je les ai réglés. Altitude 1000. Ah ok, il se découpe à 1000. Ok. Alors c'est... Du coup c'est dangereux si... Ouais, c'est 1000 pressions. C'est dangereux quand on est en montagne. Ouais, c'est le printemps, tu changes tes pneus. Voilà, à 900 mètres. Ouais, c'est 1000 mètres. En fait, c'est 1000 mètres sol. Ouais, il triche le truc. Il triche. Bon, allez, on va le faire. Pac, pac, pac. On a combien? 270. Hop. J'ai coupé un peu tôt. Pouf. Allez, récup vaisseau, voilà, impeccable. On a récupéré le petit Shaun intact. Shaun, on lui fait faire des tonnes de trucs, mais il meurt jamais. Hein. Il est fortiche. Hein. Alors, 6,3 de science obtenue. Ah, il y a des données, mais ça a pas de valeur, quoi. Étude des matériaux, j'ai que 0,22. Ah oui, valeur, mais c'est 5,5 de science quand même. Du coup, je ramène 6,3. On va pas cracher dessus. Hein.
On va pas cracher dessus. Voilà. Donc, on se retrouve sur Kerbal samedi prochain, 14h. Objectif, un premier vol avec orbite autour de la Lune, c'est récupération des données scientifiques, on revient. Et un deuxième vol, donc si tout se passe bien, un deuxième vol pour aller se poser sur la Lune. Voilà. On fait une petite pause de 2-3 minutes. Je fais un petit goûter rapide. Et puis on se retrouve pour du Minecraft Holy Cube. L'USS Enterprise NCC 1701. Salut Goose. Ouais, ils font. Je les envoie dans l'espace gratos, moi, Fredo et Jay. On va les envoyer sur Vénus. Planète toxique, hein, Vénus. Allez. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde. Sauvegarde. Après live, c'est le numéro 7. On avance pas vite, mais on se marre bien. Moi, je me marre bien. Je m'abuse bien avec ce petit jeu. Hop. Donc, je coupe l'enregistrement pour la rediff YouTube. Au revoir.